Présente Chichi, Mbote non, présente Chichi. Mbote, moi, je suis Guy. Présente Chichi, il y a tout partout na, face à la vérité. Tu es ma souhaite à dire République Cassie du Congo. Bonne bonne zoto, bonne bonne santé. Bon, santé, ça va quand même. Hein, on ne peut pas dire que ça va très bien. Moi, douleur, mon pied, à lui, mais ça va. Présente Chichi, il y a tout le Congo Live Télévision. Il y a tout pour ça, il y a solo, il y a tout le monde qui est en République Cassie du Congo. Tu sais comment on a. On a beaucoup de lobby. Bon, on a quand même que aussi là pour les presque mettant de Kenya surtout il y a République du Congo pour nous relever quand on va partager bilan on va arriver à partager bilan moi qu'on a fixé en toi tu sais qu'il dit c'est la félicité que bilan vous êtes négatif mon ambo quand pas de comme après dans ma économie mon ambo comme que bas relever pour partager bilan moi qu'on a bangoté on va y aller ensemble. Merci beaucoup pour la question. Non, peut-être sur le lobby pour les deux ans qui se sont, écoulés bien avant. Oui, les Kaki, on peut dire peut-être qu'ils peuvent avoir raison. Mais pour les un an ici et les restes des années qui restent pour que tombe en 2023, en tout cas, je crois qu'il faut être fou pour ne pas comprendre ou être malade. Hein? Alors, ils font quoi dans l'Union sacrée? Bisous de l'Obaki Moïse, à l'égard de la télévision, à l'Obio, Niniwana, Soki Barmeki Kotia, Denis Kadima, Soki Kadima Leki, il va quitter l'Union sacrée. Tire l'autre, c'est la Rabalongwa. Les ministres de l'Assemblée sont là, ils sont connus. Je peux vous donner l'exemple, il y a Christian Mwando, il est de l'Assemblée. Nani Mwana Mboka, Nani. Cherubin Okende, Azamuto Assemble, et ensemble. Nani Oyo, ministre des Affaires étrangères. Alors, nous tous ensemble. Alors, sur base de quoi Mike Mukeba il peut dire qu'on ne va pas partager des bilans? Ce que Balingi doit partager, même par ingratitude, Balongwa. On veut qu'il parte de l'Union sacrée. Tolingi, ce que Balobi, Moïse nous avait dit ça. Ligne rouge, n'est pas franchie, ce qu'a dit Manning. Il l'avait dit, non? Tous les gâtis de l'Ordre de l'Union sacrée. Ce que Balongwa, oui. Mais ce que Balongwa était, même de quoi même le ministre des Affaires étrangères les a répondu. Il avait dit, nous devons partager des bilans avec le chef de l'État. Parce qu'ils travaillent sous sa vision. Ils sont dans l'Union sacrée, dans le même gouvernement. Non, mais ça, c'est être vraiment... Non, il faut que vous allez monter ma mabé, dans une conscience, pour dire de telles salades. Ça, ce sont des salades, c'est ce que nous disons. Mike Mukeba peut nous dire, « Ezane Timoutou, au lobby, non, balambi soso, nalie miku, anasos. »« Oh, nalie qui sosote. » Non, non. Soupe, comme la thé. Miku, anamwa, misunikoli, athé. Là, on va dire, mais tu bouffes. Tu continues jusqu'à maintenant à bouffer. Tu vas dire, comme, mais écoutez, ils veulent tromper qui? Nous voulons qu'il y ait le Ngoa na Union sacrée. Notre problème est que Moïse a le Ngoa. Qu'il le dise, parce qu'il l'avait dit. Nous attendons jusqu'à aujourd'hui. Hein. Mais bon, mais tu sais que vous comprenez que moi, ce que tu m'as partagé à Soumé, ma vie, ma vie, l'Union sacrée, c'est là, il a déjà quitté l'Union sacrée sans savoir. Mais dans la vie. Adam Okolo, quand même, Adam politicien, voilà. Là, diplomatiquement. Il a quitté déjà. Il doit s'assumer. Un homme sérieux, responsable, quand tu dis oui, que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Il y a besoin de diplomate. Il faut pas. Diplomate. Oui. Attends, qu'il est diplomate, tu vois. Parce que tu m'as diplomate. Par rapport à quoi? Il ne faut pas te compter dans les détails. Il est diplomate. Et ce qu'il fait là, c'est la diplomatie. Un pied dedans, un pied dehors. Il doit s'assumer. Un homme sérieux. Au moment où tu vas faire Fayoul, Namouzitu, ils se sont assumés. Ils se sont assumés. Ils se sont assumés. Ils se sont voilà des gens qui sont sérieux. Elle m'a dit qu'il y a des gens qui ont été. On comprend. C'est un monsieur versatile. Kabila nous avait dit que c'est. C'est Yazanini. C'est un Juda. Alors nous comprenons aujourd'hui que Moïse, c'est vraiment le Juda de la République. Mais même par reconnaissance. Même par reconnaissance. Vous savez, il y a des gens vraiment. Degré d'ingratitude. Attends, on a la classe Nino. Il y a sorcellerie. Moïse, là, il y a un Congo, il y a Moussika. Ni était le président de la République, il allait avoir le passeport, il allait mettre ses pieds ici. Et qui nous ont dit que Moïse n'a jamais été congolais? Et c'est nous? C'est Félix? Alors, s'il veut quitter un homme sérieux, ok, je suis rentré,
j'ai décidé, je quitte, je retire ma signature. Au moins, oui. Faut pas, ils doivent arrêter de distraire les gens. Vous allez voir. Il ne faut pas que quand vous voyez les choses, peut-être deux fois ça ne marche pas bien. Bon, non, non, c'est les autres. Non. Être sérieux, balon mon gouvernement, balon mon biloko nyon sur la nyon sacrée, comme ça. Au moins pour le peu de temps, ceux qui 9 mois oyo, au moins vous partager pour les 9 mois, ça là qui n'a gouvernement. Pour le reste, c'est sur balon. Mais jusqu'aujourd'hui, ils ne nous ont pas dit qu'ils ont quitté l'union sacrée. Ils attendent quoi? Je suis un peu plus négatif. Les passeports de Moïse est dedans, dans les bilans. L'arrivée de Moïse à Kinshasa au Congo, c'est dans les bilans de Félix Tshisekedi. Ah? Mais c'est un bilan que vous préparez. Parce qu'à l'Obaki, quand je serai président de la République, il n'y aura pas d'exilé politique aujourd'hui. Moïse est ici. C'est comme un bilan. Au moins aujourd'hui, bah, Franck Diongo et tant d'autres sont dehors. Kapend, c'est parmi les bilans. Il est dehors, ça fait plus d'un an et demi maintenant. Il est dehors. Nabila Félix Tshisekedi, on a mis fin. Il y a régime à l'aventure. Hein? Il y a les anciens ayants droit de la République. On a bien avec nos amis de l'actualité, pardon, activité ou manifestation moyennant quelque chose. Parce que vraiment, avant ça, la manifestation, c'est sans qu'il va débourser le mot. Nabila, aujourd'hui, on a quitté de 4 milliards à 10 milliards. Dans le bilan aujourd'hui, tout ça dans le bilan est belé au Togi Koloba. On n'a plus de prisonniers politiques. Bakasho et Anini. Il y a un air nyonso et Zalaki Banda Kotokani. Dans le bilan, Félix Tshisekedi, Kalev porté disparu. John Numbi porté disparu. Et dans le bilan. Dans le bilan, Félix Tshisekedi, aujourd'hui, tous ceux qui ont tué Chebea, vous connaissez leur sort. Au moins, c'est parmi les bilans. Ce que tu as dit, toi qui es à côté, sur le plan économique, n'en parlons pas. Service national. Au Balobaraké, Joseph Kabila a sali bilan. C'est la continuité à vision. Non, il y a eu cassure. La preuve en est que Kabila a abomé service national. Au service national, les lots aux oies, chez les temps d'autres, les lots, comment va disser. Il y a d'autres, des gens qui sont formés comme des mécaniciens, comme des électriciens, des menuisiers, tout le temps d'autres, des chauffeurs, des agronomes. C'est parmi les bilans. Bilan. Aujourd'hui, nous avons mis ça relation. Nous avons mis Bretton Woods. Bilan. Vous avez suivi la directrice générale, il y a FMI, il y a Kiawa. Bilan. Les habitants que Bélé, on ne peut pas énumérer. Oh, vous arrivez moi dans Boca François Bélé, justement, bilan. Ah oui, oui. Ce qui a l'air que tu as troublé dans Boca, ça fait partie. On ne peut pas donner l'occasion à des gens qui veulent troubler l'ordre public ou bien qui va tirer la mongoule dans Boca. François Bélé, quand on a pris, on ne peut pas en parler, mais comme vous me posez la question, les gens disaient que c'était un kabiliste. Non, non, François Bélé est là depuis la mongoule. Mais François Béa pouvait envier quoi, lui, dans sa vie? Parce qu'il pouvait faire nommer des gens, il proposait, il faisait quoi? Et François Béa, quand Joseph Kabila était là, il était qui? Et il sait comment on l'a fait pour arrêter, comment est-ce qu'on a fait des problèmes par Kalev et John Numbi. Oh, non, on va lobby mouto, ami Loki et Moko. C'est ça. On ne veut pas parler de ça. Problème, ça, on a à côté à Nini. On va voir les restes. Mais le lobby, il fallait que je réponde. Merci beaucoup, mon Mboka. Tout le temps, toujours le président de la République. Et puis, dans le cadre de la bilan, il y a François Béa. Il faut que tu voyages à Kaka, aussi, qui va inquiéter. Mais il y a qui va bêtir. Non, non, tu as un exemple, Béa. Dans la bilan, il faut que tu aies un lobby. Il était libre. Or, il y a Joseph Kabila. Vous savez ce qui s'était passé. Pour vous dire que tu as un peu de Bandimi babenga ka Joseph Kabila mais babo akoboya fe babo iko benga babenga Félix Tshisekedi kaka tilomo 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 mais c'est son nom mabeni za wana mais alors Kabila pe babenga ka ye comme on a eh o batio se va ebi kana
Ça va. Merci beaucoup, mon amour, président Manoka. Je vous souligne, Italika a toujours présence de la République. Tout ce que vous avez dit, c'est que vous avez un entourage à président de la République. Vous avez un entourage très, très dangereux. Vous avez un entourage comme conseiller spécial en matière de sécurité. Non, c'est un conseiller privé. Conseiller privé en matière de sécurité. Vous avez un entourage before. Non, before n'est pas conseiller en matière de sécurité. C'est lui qui fait l'intérim. D'ailleurs, c'était un des conseillers, il y a François Béa. C'est celui qu'on a, avec qui on a remplacé. Donc, en remplacement de François Béa, on a mis, j'ai oublié le nom. D'ailleurs, à Outikara, dans le service à sécurité. Before, il est le conseiller privé. Bisselele. Tout ce que vous avez constaté, c'est que vous avez dit Joseph Kabila, c'est la vie d'ombre à Joseph Kabila, toujours quand il parle de mon rapport à toi, tu sais qu'il dit, quand tu as mon entourage, ah bon? Mais oui. Mais non, vous avez dit que François Béa était dans l'entourage de qui? C'est la vie d'ombre à Kabila, ça n'a toujours pas dit ce qu'il dit, il peut faire des années. Parce que vous posez des questions, il faut en répondre. Il faut toujours que. Mobila, Azalagi Nanan. Carole Aguito, Azalagi Nanan. Bati lukwe bazalaki nanani. Mboso azalaki nanani. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas d'eux? Bokomika kakolobela. Oui. Quelque part, on doit quand même le dire, ce n'est pas tous les gens qui entourent les chefs qui ont la même vision que lui. Naïb Sarabino, chaque jour, le pouvoir, c'est comme un train. Au salamabe, mais le moment viendra pan au tikala. Mais Joseph Kabila toujours n'a pas je pas qu'il a toujours fort ombre la chose que Kabila entourage n'est proche le voisin entourage proche mon amour fils puis toi tu sais que Kabila n'a pas quitté le pouvoir parce que Kabila a un contrôle car a toujours il va faire parce que proche n'est pas toujours vis-à-vis à proche à puis toi tu sais que un seul produit pur, il y a PPRD. Chadari, babani na IDPS. Minaku, Théophile, Bemba, Bosha, Bazalara na IDPS. Pourquoi vous avez dit que Chadari, Bazalara, va proche à IDPS? Première réponse. Deuxième réponse. Vous avez dit mon colo pombo. Mboso Koudia, Poanga. Ce sont les gens qui étaient avec Mobutu. Mais pourquoi pas qu'on tient une nouvelle classe politique de mon amour? Ça ne va pas se faire de manière automatique. Il y a un temps pour toutes choses. Et ça, c'est dans le cas de la ce qu'on joue, c'est la salité au tché. On dit que ce n'est pas automatiquement qu'on change de couleur. Avec le temps, avec le temps. Joseph Kabila a créé sa classe politique. Pourquoi pas Félix, c'est qu'il n'est à créer non, la classe politique. Non, allons doucement. Mais la classe politique que Joseph a créée, dites-moi, je viens de vous dire tout à l'heure, quel est le produit pur YAP perdé? La classe politique est composée des gens, il y a banani différents. Donc parmi eux, il y a des gens qu'on peut récupérer, il y a des gens qu'on peut laisser tomber. Donc le moment va venir. Mais ça ne peut pas se faire de manière automatique. Vous avez donné à Joseph 18 ans, quand même il a créé sa classe politique avec les Minaku, les Boshab, les Théophile Bemba, les Chadari, et même les gens comme les Kokonyangi là. Personne n'a dit mot. Mais laissez aussi le temps à Félix. Félix n'a même pas fait un mandat. Mais vous voulez que ça, la comparaison, Moko. C'est comme si, c'est à ça la qui mandat, il est non, laissez le temps, il observe, il connaît qui est qui fait quoi, qui travaille réellement pour l'intérêt du Congo et qui n'est pas à mesure de le faire. Et ça va se passer comme ça. Il faut laisser le temps au temps. Mais dit, ombre, il ne faut pas faire des choses précipitamment. Ombre a quand même les autres tournés au api. Tout autour au président, ça. Donc, quand le président avait dit qu'à côté de déboulonner le système, vous pensez que c'était de la blague? Lélo Némi, à autre chose comme un livre, pourquoi on ne veut pas commenter sur ça? Il a dit résume la vie sur Zalakini. Lia, Iba, Boma, détourné, à Osala et l'autre côté. Mais il l'a dit.
Nathan Abango. D'ailleurs, Moutassa a créé un IGF, Inspection Générale des Finances. C'est mon bout à l'époque de Moutassa Nebak, créé un IGF. Bino Boyeba Kango. Laurent Désiré Kabila Aye, Akoutaki Ango. Akoufi Akei. Joseph Aye, 18 ans, il y a Salina pouvoir. IGF et Zalaka. Boyeba qui? Au moins aujourd'hui, bah, tu vas commis à Kubanga. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, le ministre a un portefeuille, a outiko. Kobenga na ba 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 nini ya SCPT ou ya Sika, ya Kohidro, ya Kobil, l'entreprise, je crois, il y a 6 ou 5, quelque chose comme ça. C'est par rapport à un rapport, il y a IGF quelque part. Nous ne sommes pas des batou, non, au moins l'occasion, l'IDPS au pouvoir, il y a les informations, oh, vous avez accédé facilement, oh, vous avez l'obéla. Je n'ai pas de mémoire, je n'ai pas d'accès à l'information politique. Le journaliste congolais a l'accès aux informations politiques en RDC. Il y a des difficultés autrement qu'on a rencontrées. Mais aujourd'hui, au moins, quelque chose peut passer à la présidence. C'est pour vous dire que Félix Tshisekedi a vraiment instauré la démocratie dans ce pays. Aujourd'hui, tu peux passer, les gens font des critiques, comme tu vas combiner avec Fing. Mais tiens, il y a Joseph Kabila, je ne sais même pas ce qu'il y a plateau dans le Kobima. Il y a des personnes qu'on a, on a brûlé vives. Boyebi Makambwa Banini, il y a Touboni Babouma. Et tout était caché. Ce sont les gens qui étaient un peu à l'occasion. Mais combien de personnes. Oh, vino, éviter Baboma. Donc, au moins, ce qui a permis aux Congolais, aux fans, au lobby, au réfléchir au lobby, aux hommes qui ne payent pas, au lieu de Kwanga, au lieu de Fufu, aux fans. Mais tant à Kabila, ce n'était pas comme ça. Tant à Kabila, Joseph. Les lobes à Moïse, à qui vous allez en sacré, à Tché Makelele, à Fandé Pana, à Mongo, à Zoa, à la ferme, à Nini, à Tini, à Tuasali Makelele, mais il est en paix. Tiens, Joseph va bien gagner. Hein? Ne fût-ce que pour ça, vous ne pouvez pas être reconnaissant pour dire que non, ça c'est un changement. Non, sois sérieux. Madame Boka, tu peux te montrer de 6 mois, il est ici, il est circulé, il est partout, dans les réseaux sociaux. Vois-je à présent, fais-toi, tu sais qu'il est créé moins frustration au sein de la République. Hein? La méthode de circuler, apparemment, que le président de la République a la santé dérangée, a bien été sous-contrôlé par les médecins. Est-ce que, je ne sais pas, je vais vous expliquer sur les sites vrais. Mais est-ce que c'est un problème, c'est un, admettons si tel est le cas. C'est un humain. Qu'une personne, j'ai les gencives qui me font mal. Et si le président a un problème qui a santé comme il y est. C'est un humain, c'est tout à fait normal parce que ça arrive à tout le monde. On en connaît. Mobutu était malade aussi, non? C'est un problème de santé. Bah, Paul Biya, voilà, que vous voyez, même ça sous tout le monde. Bouteflika. Vous connaissez, il y a même d'autres présidents qui Babando Salam Salam qui sont sur une civière. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on veut en faire un problème? Mais nous, l'UDPS, nous sommes là. Nous prions pour notre président et nous savons, nous prions chaque jour. Si tel est le cas, nous mettons tout entre les mains de Dieu. Merci beaucoup, Vonamboka Chichi. Tout le monde sur le dossier Italie, sécurité à la République du Congo, Nakata Ngambo est la République du Congo. De ce que mon ami pour le Utsukoleka, qui me côté dans l'Est, mais l'élomi, colonie balayé, vous voulez toujours dans la République du Congo, vous voulez persécuter toujours mon Amboka. C'est comme ça, l'Italie, c'est genre vraiment, il a même un pifou, ma capacité, mon Amboka. Les gens qui combattent l'état de siège, Maëbi, pourquoi? Et tout le monde le sait. Ce sont des gens qui tiraient des dividendes par rapport à l'insécurité au Edo Salé, mon Amboka. Vous voyez l'aéroport, il y a Bogo. 18 ans de Joseph au pouvoir. En aucune fois, va récupérer l'aéroport Rwanda. Bouti Kolanda Awa, Rwanda est perdre 40%, il y a marché. Parce que facilité, Oyo, Batouabandeko, Salé Lanango,
na est ba ke ba piller ba richesse ba bumi ba tout. Ça ne peut pas se faire de manière automatique. Hein? État de siège en haut, et ça lit, je ne sais même pas ce que ça lit, un an déjà. Et ça n'en attend un an. Hein? Mais Kabila a fait 18 ans au pouvoir, pourquoi vous n'avez pas parlé? On sait que ça n'a pas tout Moussoussou. On connaît la plupart, bah, député Moussoussou. Oh, nous avons un bon, on a fourni des armes, Moussoussou, on est au courant, on le sait. Ce sont les gens qui ne trouvent pas l'air dividende au Bazako s'attaquer à l'état de siège. Lui, Kabila, on dit qu'il était militaire. Pourquoi il n'a jamais fait même il y a une semaine, l'état de siège il y a une semaine? Pourquoi il ne l'a pas fait? On doit arrêter de distraire les gens. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en sécurité, on sait. Ce n'est pas de manière automatique ou du jour au lendemain. Parce qu'il y a encore des gens. Au bazo qui ne soudoyer bango, va pêcher bango bambo, écoutez, faites ça. On arrête déjà au bazo qui ne consomme pas qui si pour donner aux rebelles et autres dans la brousse ou dans la forêt. On connaît. Mon amboka, tout est toujours qu'un événement. C'est aussi comme on appelle entre les relations diplomatiques entre le Rwanda et les RDC. C'est comme si ça ne tient pas ces derniers temps. Depuis l'aéroport, il y a beaucoup d'agris contrôlés par Baïf RDC. Ah, heureusement, on répond à la question. Non? Parce qu'il est tiré des dividendes. Le président, quand il est arrivé, c'était les relations de bon voisinage avec tous les pays voisins. Mais ceux qui sont à Baoyo, ils pensent que va continuer à évoluer comme il le faisait à son temps. Il se trompe d'époque. Pourquoi quelqu'un m'a dit que vous sabotez le président de la République n'a soumis au Salama? À saboter qui est Nanine? Invitation à soumettre. Mais moi, je crois qu'il avait envoyé son premier ministre. Son premier mais ministre. Lui, il est parti à Sénégal pendant qu'il nous restait. Mais même s'il est allé au Sénégal, qu'est-ce que ça nous importe peu? Aujourd'hui, on en a tous sept. Après un temps, 5 baye balobino, biso toye toyokana, mais moko a été. On va regretter pour moko a tikali. Pendant que les 6 sont venus. Mais sur le plan politique et diplomatique, ça s'explique. C'est le Rwanda maintenant qui est isolé sur le plan diplomatique. Ils sont isolés. S'ils vont continuer. Et tout le monde le sait. Nous voulons la paix. Il ne faut pas que Batumsu va provoquer biso. On veut la paix. On n'a rien, le peuple congolais n'a rien contre le peuple rwandais. Mais le peuple congolais a une dent contre les dirigeants rwandais. Et nous pensons que l'avènement du chef de l'État, il a tout fait, il a montré à la face du monde que c'est un homme de paix, il veut la paix. Au moins, bon, on est condamné, hein. De vivre ensemble, hein? Alors on va vous l'accepter sur ma case Sinabango. S'ils avaient des opportunités, et ils n'en auront plus. Pourquoi moi, on a besoin de mon espace mental. Attends, tu as besoin de mon somme dure. Parce que 18 ans, tu as besoin de mon espace mental. Mais dans 3 ans, vous voyez qu'il y a une différence. Ça explique tout. De ce moment, je suis confronté, fils de toi, tu sais que tu as nommé l'armée congolaise. La 76e place parmi le plus fort du monde, flatterie à modèle Luana. Comment vous avez trouvé ça? Non, qu'est-ce que tu as commis? Ne pas flatter Félix Tshisekedi. Non, ce n'est pas une flatterie. Le sondage est ça, les marques. Il y a des enquêtes qui se font. Flatterie, c'est mon amour qui a fait qui c'est. Flatter. Mais, bah, mon amour, tu sais comment est-ce qu'on. Flatterie à flatter, non? Non, non, non. Écoutez, mon cher. Dans le plan militaire, on ne flatte pas les gens. Ce que vous avez dernier, vous avez dernier. Ce que vous avez premier, vous reconnaître comme vous avez premier. Ce n'est pas une flatterie. Batali, bah exploit et armée, il y a phare d'essai. Batali, bah degré. Ah oui, non, non. Bah Joe, bah militaire, il est sous place, est-ce qu'il va la quitter? Parce que non seulement, bah trahison, ils allaient sous l'armée, des deux. Bazako. Non seulement, Bazako. Sur terrain, Bazako, là, ça va exploit. Il se comporte bien. Bah mon hyper discipline. Bah, moni, comment Bazako s'est comporté, ainsi de suite, un certain nombre, Yabanini, va mettre en voie ensemble, en tout cas, vu l'exploit au Basali, vu le comportement sur le terrain, vu Banini au espace où va récupérer, donc on peut les classer à tel endroit et non à un tel endroit.
à un tel autre. Ce n'est pas une flatterie. Hein. Pardon ? Ce n'est pas une flatterie. Ça m'étonnerait, il y a un journaliste qui a une flatterie. Ah, oui. Mais ce qui est une flatterie, pour l'année, l'armée a beaucoup de soucis. On a des opposants dans ces pays, non ? Ils pouvaient même parler de la flatterie. Mais il y a des outils dans mon coin. Il a dit ça. Faïlou. Oui, oui. Ah bon? Non, je ne l'ai pas suivi, mais s'il a vu, s'il l'a dit, viens à Bissouana vraiment. Tout ça que ça me rend mais ma casse pour naïe. Il s'était plein à boire de me sentir quand même, ça va après ça. Quoi il a montré ce. Mais va plein à quoi? Est-ce que côté va plein tu relever la félicité? Côté va plein. Tu vois le tu vois vraiment, hein? Tu vraiment un peu. Mais une chose que je vais dire à mon grand frère Fayoulou, je crois qu'il est temps maintenant qu'il puisse se focaliser sur la finalité. Il s'était beaucoup concentré sur l'objectif. Il faut aller avec le président de la République. Mais tant qu'on l'équipe, il fallait te dire, dans les cas où la trahison n'a pas été, qu'est-ce que je deviendrai? Qu'est-ce que je ferai? C'est ça la finalité dans la vie. Voler à cause de ça, spectacle, non, va donc ça, la cobine, bina, dire du n'importe quoi. Mais une chose, j'ai appris qu'il a dit que la 2023 élection, effectivement, cause ça. Bah, qui va vivre sa vie sur les alliés naturels. Les lots, qu'en est-il, il y a ma cambo fibre patriotique. Et ça, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a une question, il y a une fibre patriotique, on va créer à qui on a. Et ça, il y a un peu de temps. Quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a une élection. Avec son ancien Moïse Katumbi, il est fort. Pardon? Moïse Katumbi, il a été fait un fichier électoral pour le cacher dans la course. Il y a une ligne à la MOT, il y a un faillou, il y a un faillou. Pour ceux qui ont dit que le faillou est un faillou, ceux qui ont dit que le Moïse est un faillou, il y a un faillou qui est un faillou à plate couture. Vous comprenez? Donc, le leader est un faillou, il y a un faillou qui est un faillou. Fayoulou pouvait profiter à temps de Bema Bazalaki avec les moyens qu'il avait à implanter parti. Lilo, on connaît Fayoulou, mais on ne connaît pas son parti. Des partis malades. Moïse, si vous avez créé parti, sur base, il y a un parti Moussoussou. Vous comprenez? Toboy est comme, oh, on a fraudé. Oh, non, non, non. Des temps où il y a voyagé. Toi qui a dit que nous voyons à implanter parti. Personne n'est qu'à vous créer les manigances, si vous affichez l'électoral, l'électoral lui crée. Nous, on ne voit même pas Moïse. Oh. Si Fayoulou ne voit pas, on va voir Moïse. Vous avez un sondage? Oh, tu fais un sondage triqué, on a mon amboka. Ah, mon. Triqué. Merci beaucoup, mon amboka Titi. Tout le monde est dit, tout le FMI a dit que. Pour doter RDC na 1 milliard de dollars, pour na, je ne sais pas, ça, bon, il y a Bitianini, 1 milliard et fait ce que doter RDC. Ah, heureusement, ce que l'objet en gros, pourquoi on a dit qu'il n'y a pas de temps. Mais non, on va voir que le président va voyager pour rien. Il a dit 2022, et ça, année à barré tombé, il y a différents voyages au chef à Bandeko. Vous avez dit que le pays est en train de se faire. Non, je suis en train de. Qui vous a dit ça? Mais oui. Non. Où je t'appelle. Tu sais pour n'avoir atteindre le point d'achèvement. Ça veut dire que bah les choses en Nyongwa autant, ceux qui ont commis na autant, Moussoussou n'a pas reconnaître la moitié. Il n'est pas dit que Moussoussou t'a foutu à Nyongwa na te. A foutu à combien? Attends, la point d'achèvement. Bon, tu vas m'accabler la polémique. Non, non, papa. Mais beaucoup de sombres à Nyongwa. Si on va nous baser là, qui on va penser qui va nous yango. Ceux qui Moussoussou a salaki qui va effacer dette. On allait dire voilà un premier ministre crédible avec son président crédible. Tout le monde va faire ça. Pourquoi il va faire ça? Au moins, il va faire ça. Il va faire ça. Et il y a des conditions. Hein? Il faut qu'on remplisse un certain nombre de conditions pour qu'on bénéficie d'un financement quelconque. Il y a FMI. Vous comprenez? Il y a un partenaire à travers le monde. Batali d'abord. La gouvernance. Bon, est-ce que vous aussi vous vous posez la question pour Nanini depuis Ilou Mukamba Kenda? Vous avez dit que vous avez dit hein? Balobi, le président Félix a $8 dans 16,5 à commission à 20. C'est ça le coup, c'est vrai. Vous avez bien dit hein? Oui. Mais vous avez dit que 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 vous avez dit
Azana mboka wona kingakati. De 45 à 16,5, c'est combien de pourcentage? Wana bolobi la kangote. Et puis, si réellement c'était ça, pour nanini depuis bâtir gouvernement ou aérien, dollar et matériel sous soute. Babanda yko sapé baksion chef de l'État. Bazala qui n'a mauvais un autre plan, des gens mal intentionnés. Mais par des simples faits, ça fait combien de temps dollars et comment on a 20? Trois ans, deux ans et demi, trois ans. Bon, si quoi, depuis qu'on a nini, depuis qu'on a 20, et a c'est pour vous dire, vous voyez? Moi, quand même, stabilité. Donc il y a ceux qui stabilité, Zali, donc il y a du sérieux, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui travaillent pas comme les autres. Parce que ceux qui sont qui est le président, l'arrivée, il y a le président Félix de la raison matin. Et il va nous continuer quand on matin. Monnaie est d'accord d'évaluer. Mais on a constaté que depuis que cette aventure, il y a FCC cash, dollar est comme stable. Est-ce que par les simples faits, vous ne pouvez même pas reconnaître ça? Même si vous ne voyez rien, mais bah, Mindele, il y a bah, FMI, il y a bah, Banque mondiale. Devatali va dire non, non. Voilà les pourcentages où ils ont qui prévu. C'était, c'est pas 8%. Les gens sont ici, et comme ils sont qui n'ont 6. Quand même, cette réduction-là. Et là, c'est qu'il y a du sérieux. Ne pensez pas que l'institution sérieuse, la Banque mondiale, la FMI, non. Et ça, la ligne budgétaire bien tracée, la monnaie, la échéancier, de telle période à telle période, quels sont les efforts qui ont été fournis? Vous avez quitté d'un lieu à un autre. Comment est-ce que vous vous êtes comporté? La gouvernance. Bazo tenir compte, il y a Bailema et Bélé, je ne suis pas économiste, mais je vous parle un peu de manière un peu succincte pour vous dire que si comme il y a un résultat, c'est quand on voit du sérieux. C'est comme tu as dit que Mouzito a payé l'argent. Donc Mouzito va y sacrer, par exemple, il dit papa, chaque mois, ou bien chaque deux mois, il faut payer, par exemple, 50 millions de dollars. Pam, 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 pam. Sauf que comme ici, montant tel, il faut reconnaître en gros, tu effaces dette. C'est de cette manière qu'on parle de l'effacement de la dette de la RDC. Mais ce sont des efforts aussi que Mouzito a fournis dans ce sens. Mais vous n'allez pas comparer la période de Mouzito et de Sama, du Premier ministre Sama Lukonde. Merci beaucoup, mon amour Katichi. Régie financière, ceux qui ont la contribution, DGDA, DGRAD, Saliba, recette Moko, 130%. Mais chose qui n'a jamais existé dans ces pays. Ça va arriver. Soyez calme. Ne demandez pas à quelqu'un, à peine arrivé, de faire ce que l'autre a fait pendant des années sans. Celui qui a fait des années sans rien faire, et vous voulez comparer à celui qui fait qu'il est plus de temps. Non. Accordez à Félix même 5 ans. Nous, on ne refuse pas. Nous allons. De l'avant, d'ici 2000, tout ça déjà dans l'année préélectorale, l'année prochaine, tout ça, pendant la campagne et autres, c'est quand on dira, le président passera pour vous dire, voilà, j'ai trouvé le pays à tel niveau, dans tel domaine, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Les bilans, c'est comme les bilans ne se dit pas que, parce que, non, non, bilan ne fiche que, pour les gens qui se prononcent aujourd'hui, il faut aller à voyager sans problème. Et on est bilan. Mais c'est, ça fait partie à bilan. Non, non, kakawanate. Je vous ai parlé tantôt. Il n'y a plus d'arrestation arbitraire. Service national. Et ça, il y a bilan. Donc, il y a beaucoup de choses. Je n'ai pour revenir sur des choses que j'ai à dire pendant un temps. Merci beaucoup, Mme Boka. Je suis un partenaire entier. Il y a la diaspora. Il y a beaucoup de gens qui ont la source de référence. Il y a quand même la référence. Il y a Malonga quand même. Ah, heureusement, le Béli Yango, on est là. Moi, je suis d'un parti connu. Donc, ça veut dire que j'ai une référence. D'accord? J'ai un domicile connu. Quand vous voyez Félix Tshisekedi, vous voyez l'IDPS.
Mais ils sont doublement SDF. Non seulement ils n'ont pas de domicile fixe là où ils habitent, et leur parti n'est pas reconnu. Talatana va débattre avant de voir la vie sur IDPS. Mais tu as Fayoulou. Donc Fayoulou, le parti Fayoulou, non, ça n'existe pas. Je ne peux pas répondre. La question, Anna, je voulais dire à ceux qui ont dit ce qu'ils ont dit de raconter des histoires, que moi, je ne peux pas répondre à un SDF. Non seulement par, en commençant par les lieux où il habite, je ne connais pas, je ne les connais pas. Les deux, il fait partie de quel parti? Il est membre de quel parti politique? Moi, je suis de l'IDPS. J'ai une référence. Omoni. Mais bah toi, ce qui va ça va tout ya. N'a évité ce qui va ça va toi. Il y a FCC. Ce qui va ça va toi FCC. Ah là, qui nous laisse tomber. Hein? Là, c'est ça. On ne tire pas sur des cadavres. Mais ce qui est allé va toi Fayoulou. Fayoulou, il est plus grand que son parti politique. Attends, ça là, ça là, bas statistique. Pour que nous ça la banquette. Posez la question à 100 personnes. Non, non, même pas 100. À 3000 personnes. Je crois, moi, 2000, à ta 785, Bagoyou Sabino Babi, comment partir à Fayoulou. Vous comprenez? C'est parmi les références. Je ne peux pas répondre. On ne tire pas sur un cadavre. Merci beaucoup, président Jutchi. Merci beaucoup, moi. Merci.